de Jésus soit béni. Que l'amour de Jésus soit reconnu. Nous sommes sur le mont Morija. Gloire à Dieu que tu as été gardé vivant aussi pour ça. Toute la semaine, nous avons reçu une onction particulière et extraordinaire. Et par la grâce de Dieu, que son onction se renouvelle cette semaine. Peu importe le rêve que tu as fait cette nuit, toi tu vivras. Tu ne mourras pas. Ne t'inquiète même pas par rapport à ça. Ne cherche même pas une imposition des mains. Ce rêve est déjà condamné, toi tu vivras. Ce rêve a déjà été annulé par l'onction. Toi, tu vivras. Cette semaine, par la grâce de Dieu, je parle évidemment dans le grand thème, les mystères du Christ. Voici mon sous-thème. Les sentiments du Christ. Les sentiments du Christ. Il faut avoir ton carnet, ton stylo et tu notes. Que la grâce soit sur toi. Les sentiments du Christ. Le parfait produit des émotions parfaites. Afin d'exprimer ces émotions ou ces sentiments à un être imparfait. Le parfait produit des émotions ou des sentiments parfaits. Le parfait produit des sentiments parfaits. Afin d'exprimer ses sentiments parfaits auprès de celui qui ne peut pas avoir des sentiments parfaits. Celui-là, c'est toi. Celui qui ne peut pas avoir des sentiments parfaits. Mais le parfait prend quand même le risque d'exprimer ses sentiments envers toi. Jean 3:16. Un Dieu parfait prend le risque d'aimer le monde. Il aime le monde tout en sachant qu'il ne pourra jamais avoir de ce monde un amour parfait. Il est en train de donner au monde une chose que lui ne pourra jamais en voir en retour. Il t'aime d'un amour parfait, mais il sait que peu importe la dimension de ton intimité, de ton amour sera toujours teinté de trahison. L'amour de l'homme est toujours teinté de trahison. Alors que lui te rendra toujours un amour parfait. Lorsqu'on donne de l'amour et qu'on reçoit de l'imperfection dans l'amour, généralement on a tendance à se rétracter. Mais cet homme mystérieux qui a des sentiments mystérieux, lui, alors que vous, quand vous, quand toi tu le trahis, lui il t'aime encore. Il a pris le risque alors que lui, il a moins besoin de toi que toi, tu n'as besoin de lui. Tu as plus besoin de lui que lui n'a besoin de toi. Celui qui devrait s'accrocher à cet amour, c'est toi, ce n'est pas lui. Et pourtant, il s'accroche à un amour alors que toi, tu ne pourras jamais lui donner un amour parfait. Généralement, l'homme, toi, généralement, quand tu es dans ton amour avec Christ, et quand tu trahis cet amour, regarde ce que tu fais. La repentance existe. Je veux demander pardon à Dieu. Jésus va me purifier. Je serai nettoyé. Je serai lavé. Au fait, tu ne penses qu'à toi. Mais tu ne penses même pas, tu ne tiens pas compte du fait que tout amour qui subit de la trahison, l'amour récent des coups.
Si vous me donnez un verset, gardez-moi ce verset jusqu'à ce que je change. L'homme, toi, quand tu vis ton amour avec Jésus, tu ne penses pas au fait qu'une relation qui subit plusieurs trahisons subit aussi des coups. Tu penses à ta repentance, tu penses au fait que tu vas demander pardon, que tu seras nettoyé. Mais tu n'as jamais pensé au fait comment Christ se sent alors que lui te donne toujours un amour parfait et que toi tu es toujours prêt à le trahir. Normalement, même quand on est imparfait comme toi, lorsqu'on a de l'amour pour quelqu'un, on pense aussi au fait que son cœur ne doit pas avoir mal. Mais lui, quand tu vis avec lui, tu ne penses pas à ça. Toi, tu penses à ta purification, tu penses à la repentance, tu penses à la réparation, mais tu ne penses pas à ce que tu crées quand tu trahis. Malgré tous les chocs que toi tu as fait subir à l'amour du Christ, Christ t'aime encore. Malgré les chocs que tu as fait subir à cet amour, Christ est encore prêt de remonter à la croix si c'était possible. Un amour tellement mystérieux, un sentiment tellement mystérieux qu'on ne peut pas le trouver sur terre. À chaque fois que Christ te démontre qu'il t'aime, c'est là que toi tu le trahis. C'est comme ça qu'est l'homme. C'est lorsque Christ manifeste une preuve d'amour. Il t'accorde une faveur, un miracle. Mais c'est juste après que toi tu nages dans les péchés. C'est même pendant le miracle que toi tu as des mauvaises pensées. Jésus est habitué à aimer dans la trahison. Voilà pourquoi même lorsque Judas l'avait trahi, ça n'a pas détruit. Ça ne l'a pas trop choqué. Et jusqu'aujourd'hui, au milieu de nous, non, pas au milieu de nous. Tous tels que nous sommes là, nous sommes des Judas. Nous trahissons tout le temps. Je ne parle pas de trahir ton frère, je parle de trahir l'amour que Jésus t'a donné. Mais malgré cette trahison, il y a un amour mystérieux qui ne s'éteint pas. Lorsque vous trahissez trop votre voisin qui est juste à côté là, celui qui est là, l'amour va s'éteindre. Qui qu'il soit, même si c'est votre femme, même si c'est votre mari, l'amour va s'éteindre. Mais celui-là, avant ta conversion, tu l'as autant trahi. Il n'a pas compté parce que tu étais dans la mort. Tu as donné ta vie. Il a pris ta vie. Il t'a pris en charge. Il t'a nettoyé comme personne ne pouvait te nettoyer. Il t'a lavé comme personne ne pouvait te laver. Il t'a nettoyé comme toi-même tu ne l'espérais pas. Mais même après ça, tu l'as encore trahi. Et son amour était toujours là. Son amour était toujours à la porte. Quel amour mystérieux. C'est tellement mystérieux que des fois tu oublies que c'est mystérieux. Et quand on ne grandit pas spirituellement, on pense même que c'est un dû. Qu'il faut qu'il te le donne. A dit à ton frère, il n'était pas obligé. Non, je ne t'ai pas vu le faire. Dis-lui, il n'était pas obligé. Non. Ce n'était pas un must. Il était libre. Quand Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe, il est resté Dieu après ça. Quand Dieu a détruit le monde avec Noé, il est resté Dieu après ça. Il n'était pas obligé de t'aimer alors que toi tu es disposé à trahir. Tu vois, après cet enseignement, tu vas trahir, tu vas pécher, tu vas trahir encore l'amour du Christ. Mais cet amour est toujours là, et cet amour ne te trahit pas. Un sentiment très mystérieux. Selon Josué 10, 12 à 13,
Selon Josué 10, 12 à 13. La Bible dit que Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et dit, en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Parole du Seigneur. Josué parle donc, il fait intervenir les astres parce que Josué a un problème. Josué doit vaincre. Il doit vaincre la bataille. Mais il voit que le jour est en train de l'échapper. Alors Josué fait intervenir les astres. Il dit, soleil, arrête-toi. Lune, arrête ta course. Et la Bible dit, ces choses ont obéi. Ça, c'est l'ancienne alliance. Que quelqu'un dise l'ancienne alliance. L'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance. L'ancienne alliance. Parce qu'il faut dire une chose en rentrant dans l'ancienne alliance. Josué qui a arrêté les astres lui-même était un astre. Dans la nouvelle alliance, toi qui es évidemment une étoile aussi, tu n'as même pas arrêté le soleil. Josué a arrêté le soleil. Mais toi, tu n'as pas arrêté le soleil. Le soleil s'est arrêté avant que toi, tu ne réalises ta pauvreté. Avant que tu ne réalises ta misère, le soleil s'est arrêté. Avant que tu ne réalises ton péché sale, le soleil s'est arrêté. Le soleil est venu près de l'astre. D'une étoile. Parce que cette étoile avait besoin d'une délivrance et d'être délivrée d'une mort éternelle. Le soleil levant qui est Jésus lui-même s'est arrêté. Josué avait crié, toi tu n'avais pas crié. Qu'est-ce que tu as fait pour que Jésus meure aussi pour les païens? Qu'est-ce que tu as fait dans ton inconscience la plus totale? Le soleil s'est arrêté. Et le soleil est venu à ton secours. Alors que toi, dans ton inconscience, tu ne savais pas que tu avais besoin d'un secours. Dans ton inconscience, tu ne savais même pas que tu avais besoin d'un amour, du fil de cramoisi qui était jeté pour Josué. Tu ne savais même pas que tu avais besoin de ce fil. Oui. Que la prostituée avait lancé à Josué. Toi, tu ne savais même pas que tu en avais besoin. Païen que tu étais, né d'une alliance satanique, emprisonné par des rituels diaboliques, impossible que tu sois un homme. Jésus est venu avec ça. Je passais près de toi. Je te regardais. Et voici, ton temps était là. Le temps des amours. J'ai tendu sur toi le pan de ma robe. Je couvris ta nudité et je t'ai juré fidélité. J'ai fait alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel. Et tu fus à moi. Allez-y, le verset 10. Ça, c'est le verset qui m'a fait pleurer. J'étais lavé dans l'eau. Je fis disparaître le sang qui était sur toi. Et je te douanai avec l'huile. Non seulement j'étais lavé. Laissez-moi ce verset, s'il vous plaît. Non. J'ai dit, laissez-moi le verset 10. C'est ce qui s'est passé avec toi avant même que tu donnes ta vie à Jésus. C'était le temps des amours avec Christ. Mais toi, tu ne le savais pas. C'était le temps fixé pour que tu vives un amour pur, alors que toi tu ne donneras jamais un amour pur. Mais tu ne le savais pas. Jésus passait. Le soleil levant passait. Mais il s'est arrêté. Parce qu'il a senti un amour profond pour toi, alors que toi tu ne le connaissais pas. Jésus t'a lavé. Jésus t'a nettoyé.
Et ça s'est passé par la croix. Le nettoyage s'est fait à la croix. Jésus est en train de nettoyer quelqu'un qui ne sait même pas qu'il est sale. Jésus est en train de laver quelqu'un qui ne comprend même pas la dimension de sa saleté. Ça, c'est la croix. Jésus t'a lavé. Jésus t'a oint. Oh my God. Après t'avoir nettoyé, Jésus se permet de vivre en toi. C'est par le Saint-Esprit que tu es oint. Quel risque? Le parfum accepte de vivre dans un temple. Un temple adamique. Il accepte de te oindre. Il accepte de vivre en toi. Quel risque? Quel risque? Voilà pourquoi je dis à un enfant de Dieu, quand tu entres dans ce bar là, si tu es converti, c'est vraiment le lieu que tu trouves bien pour amener le Sauveur. Parce que quand il va, il est avec toi, il ne sort pas. Il ne va pas te oindre deux fois, il te oint une fois. Quand tu prends ton corps et tu pars avec, tu vas toucher cette fille. Tu touches ces garçons. Est-ce que tu penses vraiment qu'il faut faire, il faut soumettre notre Sauveur Jésus à des choses comme ça? Tu ouvres les boutons de la chemise de cette fille là. Tous les saints dehors. Et toi, tu les touches. Et Jésus est en toi, il vit tout ça. Alors qu'il t'a aimé d'un amour, d'une dimension extraordinaire. C'est comme ça que toi, tu payes. C'est comme ça que toi, tu rémunères. C'est comme ça que toi, tu dis merci, Jésus. Quand tu enlèves à cette fille ce caleçon-là, Jésus est en toi. Toi, on t'avait enseigné que quand tu fais ça, Jésus part. Le Saint-Esprit ne te quitte pas. C'est comme ça que tu le payes. Il a cru en toi avant que celui qui est à côté de toi croie en toi. Il a cru en toi avant que ta mère ne croie en toi. Il a cru en toi avant que ton pasteur ne croie en toi. Je vois des gens qui ont peur des pasteurs. Non, on ne va pas faire ça. Dad, il va voir. On ne va pas faire ça. Dad, il va entendre. Hey, mais il y a quelqu'un qui t'a aimé avant lui. Il y a quelqu'un qui t'a aimé bien avant. Et cet amour est éternel. Je ne t'entends pas dire un amen. J'ai besoin d'un amen. Il est celui qui t'a aimé avant. Et il t'aime d'un amour parfait. Tu prends le Jésus qui t'a oint, qui est en toi. Tu l'amènes dans des endroits sales. Tu embrasses cet homme. Le mari d'autrui. Mais tu as Jésus là. Tu le fais subir tout ça. Quel risque Jésus a pris? Le divin a pris un risque. Il n'était pas obligé. Si un voisin, il n'était pas obligé. Non, dis-le autrement, il n'était pas obligé de m'aimer. Il est omniprésent. Il est omniscient. Il pouvait aussi te sauver sans être en toi. Parce que toi, tu es trop bizarre. Tu fais subir à Jésus des choses étranges. Lorsque tu vas escroquer, tu escroques Jésus est dedans. Tu mens à l'église, Jésus est dedans. Tu as fait l'impudicité, tu viens ici au micro pour chanter, Jésus est dedans. Il n'était pas obligé. Je pose une question. Élie n'était pas puissant. Non, je te pose la question. Pourquoi tu ne réponds pas?
Si tu es choqué, c'est bien. Élie n'était pas puissant. Élisée n'était pas puissant. Est-ce qu'il y a un prophète qui peut agir comme Moïse aujourd'hui? Mais avec Moïse, Dieu n'était pas dedans. Dieu, le Saint-Esprit couvrait Moïse. Il n'était pas dedans. Mais il est parmi les plus grands prophètes que le monde n'aura jamais connu. Jésus n'était pas obligé. Mais un amour mystérieux. Il sait que tu vas le trahir, que tu vas aller en boîte, que tu es impudique, que tu es adultère. Mais il entre en toi et il veut rester là. Malgré les chocs, Jésus reste là. Jésus reste là. Malgré les chocs, il sait qu'il sera choqué. Il sait qu'il sera humilié. Plusieurs fois tu as humilié Jésus. Plusieurs fois tu as fait des choix qui ont humilié Jésus. Le diable a regardé et il dit: moi je ne suis pas en lui. Mais moi je ne souffre pas comme toi. Regarde comment il t'humilie. Le dimanche il est à l'église, le lundi il est dans la sorcellerie. Le dimanche il est à l'église, il fait semblant devant tout le monde. Mais dans la vie, c'est un grand menteur. Jésus s'est plusieurs fois senti humilié. Mais je te pose une autre question. Est-ce que Jésus est condamné à rester là? Est-ce que si Jésus quitte ton corps, il y a quelqu'un qui va l'accuser? Est-ce que si Jésus décide de ne plus être avec toi, est-ce que quelqu'un va l'accuser? Personne ne va l'accuser. Il est juge, il est avocat, il est le commencement et il est la fin. Il est l'oméga, il est l'alpha. Personne ne peut le condamner. Mais il a fait un choix d'un amour mystérieux. Un amour qui dépasse l'entendement des hommes. Vous savez, très souvent, il m'est arrivé d'avoir honte de me sentir aimé par Jésus. J'ai honte au fait. Et des fois, je fais comme Adam. Vous savez, des fois, quand vous n'avez pas d'expérience chrétienne, vous n'allez pas comprendre certains versets. Moi, il m'est arrivé de comprendre le verset où Adam s'est caché des dieux. Je me cache. J'ai dit: Jésus, je n'ai pas envie que tu me regardes. J'ai même honte de penser que toi tu m'aimes. Comment tu peux m'aimer? Comment tu peux aimer quelqu'un comme ça? Comment tu peux aimer quelqu'un qui te fait du mal tout le temps? Comment tu peux croire en quelqu'un qui ne te donnera jamais un amour parfait? Même cette semaine, non, la semaine passée, telle que nous sommes là, au moins je mets ça en défi. Je peux vraiment mettre même ma main à couper. Personne la semaine passée a fait toute la semaine sans trahir Jésus. Personne. Parce que si tu crois que tu n'as pas péché en touchant, je sais que dans tes pensées, tu as eu à méditer le mal envers les autres. Tu as eu à croire aussi que l'autre ne méritait pas. Tu as eu à jalouser. Tu as eu à convoiter. Tel que nous sommes là, personne n'a fait toute la semaine sans trahir Jésus. Mais quand on vient dans le temple, on fait paraître comme des hommes bons. Comme si l'amour de Jésus devait seulement descendre chez nous. Je dis à quelqu'un, l'église du Seigneur doit être un lieu où on reconnaît et où on adore continuellement. Parce que Jésus a été un amour et il est un amour qu'on ne pourra jamais comprendre. Quel type d'amour? Tu donnes le couteau et cet amour te cherche encore. Moi, quand quelqu'un me blesse, je m'éloigne. Je considère que je me protège. Ça, c'est moi. Moi, je ne sais pas comment toi tu fais. Mais Jésus, lui,
Autant tu as blessé. Oh Lord Jesus, have mercy. Jésus, il n'a pas que les stigmates de la croix. Le mystère de l'amour de Jésus. Quand je pense à ça, I feel something. Oh God. Jésus n'a pas que les stigmates de la croix. Souvent quand on parle, on dit les stigmates de Jésus, la corde, les mains. Mais toi aussi tu blesses tous les jours. Lorsque Jésus se tient devant chacun de nous, il y a les stigmates que chacun de nous lui a imposés. Oui, si tu as bien dit ça. Il y a des blessures sur lui, les marques sur lui que toi tu lui as imposées. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, au 21e siècle, ne nous parle pas des marques que les Romains ont imposées à Jésus. Aujourd'hui, ce ne sont plus les Romains, c'est toi. Si tu déposes la question à Jésus, il te dira, ce sont tes marques maintenant que je porte. Tu me blesses le lundi, tu me blesses le mardi. Et pourtant, donc, au milieu de toutes les personnes que tu aimes, personne ne s'approchera de cet amour-là. Personne. C'est le seul amour qui demeure et qui est incompréhensible. Que l'Éternel nous aide. L'amour humain, comme je l'ai dit, s'éloigne de la trahison. Luc 22, 31-32. L'amour humain s'éloigne de la trahison. Mais l'amour du Christ, elle couvre la trahison. L'amour du Christ prie pour ça. Christ a dit à Pierre, toi tel que tu es là, tu vas me trahir. Je vous pose une question. Et essayez s'il vous plaît de me répondre de manière à ce que j'avance. Je commence ici. Cette rangée, cette-ci. Parmi vous, qui est celui qui reçoit la prophétie qu'il sera trahi par le voisin d'à côté et qui reste avec lui quand même? Le jour où tu reçois la prophétie, le lendemain tu envoies un message, tu dis tu es mon meilleur ami, je compte te voir. Il y a quelqu'un ici? Ok. Cette rangée et celle-ci, qui peut le faire? On te donne une prophétie que le voisin qui est à côté va t'empoisonner demain, tu restes avec lui. Non, tu restes pas seulement avec lui, mais tu l'appelles, tu lui dis viens, on va manger, va me servir, alors qu'on t'a dit qu'il va t'empoisonner demain. Qui va le faire? Vous là-bas, il y a quelqu'un qui a cet amour exceptionnel là. Si tu es là, en tout cas, tu vas nous imposer la main à tous. Tu vas nous imposer les mains. Il y a personne à qui on va dire, lui va te trahir et tu restes avec. Il y a même des hommes, Marie, si on lui dit que ta femme va te trahir demain, il va dormir chez sa mère. Il ira même chez les voisins d'ailleurs. Le voisin va lui dire, mais papa, pourquoi tu viens ici? Non, chez moi, il y a beaucoup de moustiques. Parce qu'on lui a dit que sa femme va le trahir. Mais Jésus sait. Judas va le trahir. Mais Jésus dit, j'ai prié pour toi. Lorsque toi tu planifies la trahison, lorsque toi tu planifies le péché, Jésus, il fait ton avocat.
Le père regarde. Le père dit trop, c'est trop. Je veux frapper ce garçon. Je veux frapper cette fille. Il ne connaît pas la grâce que je lui ai donnée. Et l'avocat auprès du père. Jésus de Nazareth. Un amour incompréhensible. Jésus se met là. Et Jésus dit, non pas maintenant. Attends encore. Bientôt. Il va y arriver. Il va comprendre. Alors que Jésus prie, toi tu fais le mal. Alors que Jésus prie pour toi, toi tu continues à nager dans le mal. Un amour étrange. Oh Lord. Luc 23:34. Vous pouvez écrire simplement. L'homme pardonne lorsque la personne regrette. Oui. L'homme pardonne lorsque la personne qui a fait du mal regrette. Mais Christ, il pardonne l'inconscience de l'insouciant. Christ pardonne l'inconscience de l'insouciant. Il pardonne ton inconscience. Il comprend que tu ne comprends pas. Et il pardonne. Genèse 3, 12 à 13. L'amour a chassé Adam du jardin. Parce qu'il avait péché. Parce qu'il ne devait pas toucher à l'arbre du jardin, à l'arbre de vie. L'amour a chassé. Mais le même amour, aujourd'hui, depuis la nouvelle alliance, l'amour est entré dans un jardin imparfait. Un jardin imparfait que qui est ton corps? L'amour est rentré là-dedans. L'amour chasse Adam, mais accepte d'entrer dans un jardin parfait. Au fait, l'amour du Christ a beaucoup de paradoxes. Ça a tellement de paradoxes. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu ne fais pas attention avec cette période dans laquelle nous sommes, tu vas être un ouvrier à l'Aïna, tu seras un bon fidèle ici. On va te bénir ici, mais tu vas aller en enfer. Parce que nous sommes à une période assez étrange. Ou si tu ne comprends pas bien la grâce et l'amour de Dieu, tu vas aller en enfer. Parce que l'amour de Jésus a beaucoup de paradoxes. Jésus chasse l'homme du jardin, mais lui-même il entre dans un jardin parfait. Jésus ne veut pas que Adam touche à l'arbre de la vie. Mais lui-même qui est l'arbre de la vie entre vivre dans l'homme. Et il vit dans un jardin parfait. L'arbre de vie ne veut pas être touché. Mais à un autre moment, il accepte d'entrer dans un jardin qui n'est pas le jardin d'Éden, mais qui est un jardin de péché. Jésus vit dedans. Et il accepte ça. Que Jésus nous fasse grâce. C'est selon 1 Corinthiens 6, 19 que ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est le jardin du Christ. Et comme on a 1 Corinthiens 6, 19, et nous sommes allés au temple dans mon livre, au Saint-Père, et moi, on a l'angana Christ. L'amour des hommes vit selon une certaine sélection. Selon une certaine sélection. L'amour des hommes recherche les meilleurs. Exact. L'amour des hommes sélectionne les meilleurs. L'amour des hommes cherche des personnes qui sont meilleures qu'eux-mêmes. Lorsque vous n'êtes pas meilleur, l'amour des hommes vous méprise.
Lorsque vous n'êtes pas meilleur que celui qui vous aime, c'est important de préciser ça. Lorsque vous n'êtes pas meilleur que celui qui veut aimer, il vous méprise. Les hommes ont même dit, et nous le disons tous, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui. Et le quinoa, il aime quelque chose. Je ne sais pas comment on le dit, mais je crois, bon, je vais essayer, tu vas corriger. Azan a niveau n'angate. C'est ça, non? Azan a niveau n'angate. Ça veut dire l'amour des hommes n'aime jamais de manière désintéressée. Il ne faut pas se tromper. L'amour des hommes n'aime jamais de manière désintéressée. Voilà, là tu as bien dit. Des fois quand les gens disent, ah, il m'a déçu, il m'a trahi, il m'a abandonné, moi je croyais qu'il m'aimait. Mon frère, tu es victime de ton ignorance. Tu es victime d'un manque de sagesse. Tu es victime d'une inconscience. L'amour de l'homme est toujours sélectif. Voilà pourquoi même la femme que tu as épousée, tu n'as pas épousé l'autre là, tu as épousé seulement celle-là. Tu as connu beaucoup de filles, non? Pourquoi tu as épousé seulement celle-là? Tu as connu beaucoup d'hommes. C'est comme une dame qui me faisait rire. Elle est déjà décédée. Je l'aimais beaucoup. Elle me disait, quand je lui parlais, on parlait de son mari. Elle me disait, ah, maman Joël, il fallait seulement que je pousse l'homme là qui venait avec le vélo. En 1950, combien? Il venait avec le vélo. En 1950, combien ça qui bouge, ça qui quoi? Il fallait que je pousse celui-là. Il fallait qu'on abat la tata tawana. Même celui que tu épouses, c'est par rapport à une certaine sélection. L'amour des hommes s'est réuni, ou bien ça, l'amour des hommes se manifeste au milieu des personnes généralement qui se ressemblent. Bato bape sakabolingo na bato basandenge moko na bango. Même si vous enseignez dans l'église, cette chose-là sera toujours là. L'amour des hommes, c'est un amour qui se regroupe selon les types. Des fois même, il y a des gens qui sont tellement pervers qu'ils vont même se regrouper selon la couleur de la peau. Oui. Ah mais oui, vous en riez, mais moi je connais des gens comme ça. Oui. Ils se regroupent selon la peau, la couleur de leur peau. L'amour des hommes, c'est comme ça. Si tu n'es pas meilleur que moi, je ne t'approche pas. Si tu n'es pas assez compétent, je t'approche. Je vais poser une question aux instrumentistes. Vous êtes à combien les instrumentistes ici? 4. Si j'amène un guitariste, qui n'a jamais touché à la guitare, mais vraiment il a la passion, mais jamais il arrive, est-ce que tu pourras l'accepter? Non. Même s'il a la passion. Parce que généralement l'amour attire les personnes de même type. C'est comme ça l'amour. Frère, je peux guérir quelqu'un? Apôtre, est-ce que je peux? Parce que je vais libérer une bombe. C'est une bombe atomique, chimique. Monsieur, tata, madame, arrêtez d'être un enfant. Grandissez. Kola. Et spirituellement et en maturité. Kola na nzoto, kola na molimo, kola pena, o komé na pita. Il y a des gens, malgré ton amour, ne t'aimeront jamais. Pas parce qu'ils ont de la haine, mais parce qu'ils considèrent que tu n'es pas comme lui. C'est clair.
Quand quelqu'un est adulte, il comprend ça. Quand quelqu'un a un peu de sagesse, il comprend ça. Qu'il ne peut, il sera pas aimé par tout le monde. Et il y a des gens aussi qui ne vont pas t'aimer, pas parce qu'il a de la haine. Mais parce que pour lui, tu n'es pas le type de personne qu'il peut aimer. Tu n'es pas son genre. J'ai une fois écouté quelqu'un qui disait, moi je n'aime pas les frères là. Moi j'aurais du mal à être son ami. Quand il parle, il a l'accent comme ça, l'ouba. Mais c'est son accent. C'est comme ça qu'il parle. Mais pour lui, il ne peut pas avoir un ami comme ça. Et quand on est, quand on grandit, on comprend que c'est normal. Je lance la bombe. Ok. Voilà pourquoi à l'Aena, ce n'est pas tout le monde qui sera ici. Il y a des fidèles qui ne seront jamais à l'aise ici. Jamais. Parce que l'apôtre n'est pas son type de pasteur. Et ce n'est pas parce qu'il est mauvais, mais c'est son avis. Et cet avis-là, quand on est sage, on le comprend. Maintenant, regarde quand tu es insensé. Moi, je ne peux pas venir dans votre église. Et pourquoi? Tu es des démons. Avant là-bas. Toutes ces personnes n'iront pas au ciel à cause de l'Aena. J'ai besoin d'un amen. Toutes ces personnes ne seront pas sauvées parce qu'ils entendent la prédication de vos pasteurs. Non. Mais il y a des gens qui ont été appelés pour écouter ces enseignements. Et Dieu les a connectés à ça. Est-ce que quelqu'un entend bien? Il y a même quelqu'un qui disait, si tu ne viens pas dans notre église, tu vas aller en enfer. Mensonge. Une église ne sauve pas. On a parlé? Ou bien on nous a changé d'église? Je dis, une église ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Pourquoi tu dis un amen bizarre? Tu ne savais pas? Une église ne sauve pas. Ce n'est pas parce que tu es diacre ici que tu seras sauvé. C'est pourquoi j'étais en train de dire, tu risques d'aller en enfer. Ce n'est pas parce que tu es ancien à l'Aena que tu seras sauvé. Ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu seras sauvé. Ce n'est pas parce que tu es fidèle ici que tu seras sauvé. Si Jésus-Christ n'est pas ta marque, tu vas aller en enfer. Je dis à un frère, je crois qu'il faut que je le dise, parce qu'il y a des sémences un peu bizarres. Je le dis au nom de Jésus. Attache-toi à Jésus plus qu'à une église. Attache-toi à Jésus plus qu'à une église. Attache-toi à Jésus plus qu'à une église. Jésus aujourd'hui, Jésus demain, Jésus encore. Il s'agit de Jésus. Je ne suis pas d'accord. Je dis, attache-toi à Jésus plus qu'à une église, plus qu'à un pasteur, plus qu'à un prophète. Attache-toi à Jésus. Kemasata. Pourquoi tu agis comme un païen? Pourquoi tu abandonnes l'église? Pourquoi tu insultes Jésus? Quand un homme de Dieu tombe, parce que tu t'es attaché à un homme plutôt qu'à Jésus. Quand quelqu'un vous dit, vraiment je suis déçu, dis-lui, moi aussi je suis déçu parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas refroidir dans ta foi parce qu'un archibishop est tombé. Toi, tu ne t'attaches pas à un archibishop, tu t'attaches à Jésus, l'amour mystérieux, l'amour qui t'a sorti des ténèbres, qui a arrêté la lune pour toi. Tu t'attaches à Jésus, tu ne t'attaches pas à l'homme, tu t'attaches à Jésus, tu t'attaches pas au temple, tu t'attaches à Jésus. Il y a quelques candidats de l'enfer
qui attendent que cette salle soit climatisée pour venir. Ça, c'est pas très loin d'un candidat de l'enfer. Parce que tu ne sais même pas pourquoi tu suis ou pourquoi tu es dans une église. C'est les lieux qui réchauffe en toi l'amour que tu as pour Christ. C'est le lieu qui réchauffe en toi les ailes. Mais tu t'attaches à Christ et non aux hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Dis ce que je vais dire maintenant à ton frère, même si c'est le pape. Écoute ce que je vais dire. Attache-toi à Jésus et tu ne verras pas l'homme. Si tu t'attaches à Jésus, tu ne verras pas l'homme. Écoute. Quand est-ce que tu vas abandonner la foi? Le jour où tu apprendras que Jésus a péché. Ce jour-là, abandonne la foi. Je parle à une âme. Je parle à un homme. Je parle à une femme. Ce jour-là, abandonne la foi. Abandonne la Bible. Jette la Bible. Le jour où tu apprendras que Jésus a péché. Mais si tu n'apprends pas que l'homme de Galilée, le rejeton de David, le puissant de Jacob, si tu n'apprends pas que celui-là a péché, reste avec Jésus. Attache-toi à Jésus. Reste dans ta foi. Accroche-toi à ta foi. Le cordon ombilical de ta foi qui te relie avec Dieu, c'est Jésus. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas le pasteur Joël. Ce n'est pas l'apôtre. C'est Jésus de Nazareth. Aucun nom ne peut être placé à côté de son nom. C'est celui-là qui te raccorde au ciel. Attache-toi à Jésus. Le jour où on te dira, je parle, je dis, et je parle comme un prophète. Que quelqu'un m'entende ici. Le jour où on te dira qu'on a vu Jésus dans une boîte de nuit ou dans un hôtel, déchire la Bible. Mais si on ne te parle pas de Jésus, on te parle d'un nom qui ressemble à un nom d'une tribu congolaise. Tu ne peux pas abandonner la foi. Tu ne peux pas abandonner Jésus. Tu ne peux pas laisser Jésus. Jamais. On never. Moi jamais je ne peux. Jésus m'a sorti de trop loin pour que je l'abandonne à cause d'un homme. À cause d'un homme. Un homme. Tu peux aller dans son deuil demain. Un homme. Un homme n'est pas le modèle de la sainteté. C'est Jésus qui est le modèle de la sainteté. Je t'encourage à être saint. Je t'encourage à être pur. Mais le modèle de la sainteté, c'est Jésus de Nazareth. Écoute-moi bien. Que ça tombe sur toi. Paul a dit, j'ai couru. Oh, je suis en train de courir. La vie chrétienne est une course. Pendant que tu cours, si sur le chemin tu vois un apôtre, tu vois un prophète, c'est fatigué en chemin, regarde-lui, prie avec lui, continue de courir, c'est une course, tu ne t'arrêtes pas à cause d'un pasteur, d'un prophète, tu ne t'arrêtes pas. Let me say it. Jésus t'a tellement aimé que tu dois bien voir les choses. Le carburant qui te permet de courir, ton énergie spirituelle. Ce ne sont pas les paroles d'un homme. Mais c'est les paroles du Christ. Voilà ton énergie. C'est comme ça que même lorsque tu es seul, tu vas te rappeler qu'il a dit, une femme qu'il a dit,
Une femme peut-elle abandonner l'enfant qu'elle allait? Et à un moment donné, pendant que Dieu parlait, il a vu qu'au Congo, il y a des femmes qui jetaient des bébés. Alors Dieu a dit, même lorsqu'elle abandonnera, moi je ne t'abandonnerai pas. Moi je ne te délaisserai pas. C'est ton énergie spirituelle. C'est ton énergie pour la course. Ne cours jamais selon un homme. Ne cours jamais selon ton frère. Ne cours pas parce qu'il y a un bon pasteur qui t'aide à courir. Cours à cause de Jésus. Cours à cause de Jésus. Cours à cause de Jésus. Mon frère, écoute. Malgré le titre, malgré le titre que moi je porte, que j'ai reçu par grâce, je suis purifié dans la même piscine que toi. Le pasteur que tu admires est purifié dans la même piscine que toi. Le pasteur que tu admires, il est comme Nicodème. La prophétie des hommes de Dieu actuels, il est comme Nicodème. Quand tous les fidèles rentrent à la maison, parce que les fidèles ont dit, ah pasteur, tu nous as bénis. Pasteur, tu as une bénédiction. La prophétie de Nicodème. Quand toi tu pars, lui dans la nuit, il va s'agenouiller. Il dit, Jésus, délivre-moi de ce péché. Délivre-moi de ce mal. Toi tu ne sais pas, mais lui aussi, dans la même piscine, à des heures différentes, vous allez boire. Où tu vas prendre sa main, tu baisses sa main. La sainteté. Attention. On baise la main. Mais ces enfants maintenant baisent où? Il ne faut pas me regarder comme ça. Parce qu'il a des enfants certainement. Ils sont mieux nourris même que tes enfants. Aucun être humain ne doit être la référence de ta sainteté. Amen. Nous sommes censés être des modèles pour vous. Nous disons Amen. Nous devons nous battre pour être des modèles. Nous disons Amen. Mais le modèle de la sainteté, il n'y a qu'un seul. Laisse-moi essayer de finir. Je veux dire ceci. Voilà pourquoi quand tu viens t'agenouiller ici, Serge, venez illustrer ça. Quand vous venez vous agenouiller, vous dites, oh, j'ai besoin de l'onction. Et que l'apôtre descend pour vous bénir. Toi, tu as vu la main de l'apôtre. Mais sa main a des gants. Ce gant s'appelle Jésus. Ce n'est pas lui qui te touche, c'est Jésus. Parce que si Jésus, mais laisse-moi te toucher, mes condamnations vont crier sur toi. Mes péchés vont crier sur toi. Voilà pourquoi tu ne dois jamais voir un homme. Il faut que tu voies celui qui t'a aimé de manière mystérieuse. Je vais vraiment essayer de finir. Regardez comment il fait. Un amour mystérieux. Quand il vient, moi quand je vais t'imposer les mains, il couvre ma condamnation et mon péché. Il refuse de m'exposer devant toi. Alors il impose les mains à ma place. Et pour l'amour qu'il a pour toi, il refuse que le péché rencontre le péché. Alors il t'impose les mains. Le mystère de l'amour. Pourquoi tu vas abandonner quelqu'un comme ça? Pourquoi tu vas trahir quelqu'un comme ça? Mon frère,
battons-nous pour ne pas trahir cet amour. Ne pensons pas qu'à la repentance. Ne pensons pas qu'au fait que nous serons purifiés. Arrête de choquer l'amour. Que l'Éternel te bénisse. Que Jésus bénisse sa parole.